Bonjour et bienvenue sur ce format vidéo qui répond rapidement à vos questions. Aujourd'hui, la question est pourquoi les Tortues Ninja portent-ils ces costumes? Bien, dans le livre TMNT autobiographique de Kevin Eastman à la page 21, il mentionne ceci sur ses costumes. À un moment donné, pendant peu de temps après avoir fini le premier numéro, nous étions déjà en train de penser à propos de changer les tenues des tortues pour leurs futures aventures, si jamais nous avions la chance d'en faire d'autres. Certaines idées sont venues du style japonais traditionnel, mais c'est assez évident que la nouvelle tenue de Raphaël est inspirée par le nouveau costume de Spider-Man, conçu à cette époque. Finalement, nous n'avons jamais vraiment utilisé aucun des concepts, mais Peter a fait une superbe peinture des gars dans ses costumes pour le premier kiosque pour l'événement de la bande dessinée. Donc, les tenues que portent les tortues ont été initialement conçues par Kevin Eastman et Peter Laird, afin de varier leur esthétique dans l'avenir. Ils ont par exemple imaginé une combinaison entièrement noire que les tortues porteraient à leur retour de l'espace du TMNT volume 1 numéro 7, mais ils ne les ont jamais utilisés. Mais Ryan Brown et Stephen Murphy avaient beaucoup apprécié ces déguisements. Ils ont donc décidé d'exploiter davantage ces costumes dans la série TMNT Adventure. Dans cette série, ces costumes servent pour un combat intergalactique. Lors du retour sur Terre, Raphaël a choisi de continuer de le porter pour un certain temps. On le verra le porter dans plusieurs numéros. Lorsque Splinter a demandé pourquoi il voulait se démarquer de ses frères, Raphaël a donné une explication plausible, que son costume serait à son avantage lors des combats de nuit. Splinter, fier de lui, mentionne qu'il commençait à être sage. En conclusion, beaucoup de concepts de dessin et d'histoire ont été conçus, mais mis de côté, qui ont été recyclés au fil des années, comme ceci chez Mirage Studio. Alors c'est ce qui conclut la vidéo, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas les pouces bleus et de partager, de t'abonner si tu ne veux rien manquer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.